Salut tout le monde et bienvenue pour le sixième épisode de la série L'heure de la truite. Dans cet épisode, je vous propose les images d'une session de 2 heures faite en matinée. Un super moment passé les pieds dans l'eau, une belle surprise pour moi car je suis en train de découvrir une belle rivière qui passe par chez moi et ce qui me plaît le plus et surtout là où c'est le plus intéressant, c'est que les postes sont bien marqués dans cette rivière donc la pêche y devient vraiment intéressante. Pas de prise de tête niveau leurre, je vais pêcher avec un seul leurre toute la session. Le Chubby Minnow Dilex, la version coulante, qui est vraiment pour moi le coup de cœur de cette saison de truite. Du coup, je songe éventuellement à faire une vidéo de présentation de ce leurre, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Bon voilà, c'est parti! Poisson, yes. Ah, oh, c'est un cheval, un beau cheval. Décrocher. Wow. Bon bah j'espère que vous l'avez vu. Ah, c'était un beau chevet. Ah, ça fait plaisir. Poisson. Une jolie petite vario. On va tout de suite remettre à l'eau. Ah, ça fait plaisir. Poisson, waouh, magnifique, yes, waouh, une jolie fario. Reparti. Il est l'heure de l'astuce de pêche. Alors je souhaite vous partager une petite astuce qui peut éventuellement vous permettre de prendre un chevesne ou une truite difficile. Souvent on n'arrive pas à faire noir d'un chevesne car il nous a tout simplement repéré. Pour pallier à ça, il faut avancer très discrètement et surtout se cacher. Si par exemple vous avez une remontée avec des rochers ou une pente comme sur les images, crapahutez dessus jusqu'à être apte à pouvoir lancer, tout en étant caché. N'hésitez pas à lancer à l'aveuglette même si vous n'avez pas pu voir de poisson. En effet,
Si vous n'avez pas pu voir de poisson, bah eux aussi n'ont pas pu vous voir. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir que ça fonctionne plutôt bien, comme sur le chauvin pris au début de cet épisode. Poisson, voilà. Ouf, c'est balèze. Voilà. Voilà, une jolie truite. Superbe. Je fasse gaffe. Waouh. Non. Magnifique. Super belle truite. Enfin, yo. Yes, ça fait plaisir. Poisson, yes. Une jolie petite variante encore une fois. Wow. Pas se croûter. Magnifique poisson. Ils sont super belles, vraiment superbes. Allez, on la relâche. Voilà. Ça gratte. Bon, je les vois, les truites. Elles sont là. Elles suivent. Poisson. Yes. Ouf, chevenne, super. Ah, beau chevenne. Ah, le chevenne, c'est quelque chose. Hein. C'est nerveux. S'en aller, mais... joli chevenne, petit, mais ça fait plaisir. Allez, mon gros, alors ici on a une super zone de calme. Poisson, waouh. Ouf. Yes. Encore une jolie fario. Superbe poisson. Oh, elles sont super belles dans cette rivière. Jolie, jolie fario. Waouh. Allez, c'est le temps de repartir à l'eau.
poisson. Waouh. Yes. Oh, mais elles sont super excitées ce matin. Vraiment. Ça fait plaisir. Allez. Super belle fario. Allez, on la relâche. Et voilà, cette petite session touche déjà à sa fin. On se retrouvera très prochainement ensemble pour la suite de ce parcours. Et surtout, vendredi prochain, soyez au rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Fischer.